Yo, c'est ton pote, j'espère que vous allez bien les gars. Moi, ça va tranquille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne sur le jeu Bleach Brave Souls. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la loterie Brave Festival. Est-ce qu'il faut invoquer ou pas? La réponse, je vous la dis directement, non. Ne faites pas cette erreur parce que ces personnages-là vont revenir pendant la bannière des 9 ans. Les personnages de l'année dernière sont présents ici, hein, le White et le Ichigo. Mais ne faites pas cette erreur de vous dire « Oh putain, les personnages reviennent !» Les gars, dans un mois, donc pendant l'anniversaire, pendant la bannière de l'anniversaire, donc Premium, les gars, c'est sûr et certain que ces personnages-là seront présents dans la bannière. Donc, n'invoquez pas. Plus, vous allez voir que les fillers, comme d'habitude, c'est que du Premium. Donc, quand tu vois ça, hein, généralement, toi, je te parle à toi qui es débutant, tu skips hein, directement parce que vous pouvez avoir les personnages comme d'habitude. Bref, Souls, les tickets de loterie 6 étoiles, etc. 5 étoiles, tu peux l'obtenir à n'importe quel moment l'année dernière. Pendant l'anniversaire, j'ai réussi à obtenir le personnage, le White, avec des tickets Brave Souls. Et comme d'habitude, j'étais vraiment content. Là, en plus de ça, je vais vous montrer le stock, mais il commence encore une fois à gonfler. En un mois, franchement, j'ai jamais autant farmé les 20 points, je pense. C'est un truc de fou, comment ça monte très très vite. Donc, on va se remater, comme d'habitude, ce que font les personnages. Mais moi, je te déconseille, bien sûr, d'invoquer sur cette bannière-là, comme je vous ai dit. Parce que ces personnages-là sont disponibles à n'importe quel moment sur le jeu et surtout qu'ils vont revenir très très rapidement pendant l'anniversaire des 9 ans. 5 étoiles garanties à certains paliers, tickets de loterie, à choix personnage en vedette en bonus au palier 20. Si vous utilisez autant d'orbes sur ce genre de bannière, pour moi c'est perdu. Hein, bien sûr, il y a des très bons personnages, il y a le Ultura, il y a les personnages des 7 ans, il y a le Aizen des 6 ans, il y a les personnages de l'anniversaire en règle générale qui sont très très bons. Mais voilà quoi, c'est... C'est pas la peine, c'est pas la peine de dépenser des orbes sur ce genre de bannière. Ichigo version spéciale des 8 ans, personnage pression spirituelle, tueur de holo, tueur de aucun, sous-traitant de recharge d'attaque puissante moins 14%, rapidité plus 1, équilibre, esquive annulée, attaque puissante étendue plus 1%, attaque puissante déchaînée plus 3 qui est exceptionnel, attaque spéciale renforcée plus 60% malédiction, équilibre annulé hors battle, garde résistance bleue annulée, enfouissement annulé, 100% durée des altérations d'état résistance partagée moins 100%, dégâts plus 20% jusqu'à l'endurance est au maximum, génère de personnages techniques. Donc franchement, ce personnage là, il est excellent. Je l'utilise en ce moment pour faire l'event à points et c'est exceptionnel le fait de ne pas calculer le jeu. Bon, il y a plein d'autres personnages qui peuvent faire ça, mais j'ai déjà testé aussi en raid, en QDG, en popo. Il va partout, c'est un truc de fou. Mais voilà, ce personnage là, quand il va revenir, bien sûr, sur la bannière des 9 ans, mettez-le. T20, il sera toujours d'actualité. Ce personnage-là, il est vraiment très, 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 très fort. Et je l'ai, du coup, SP1, je l'ai obtenu il n'y a pas très, très longtemps. J'ai eu dans un ticket. Bref, c'est pour ça, les gars. En fait, j'ai poule l'année dernière sur les bannières de l'anniversaire. Ils ne sont pas tombés. Vraiment, ils ne sont pas tombés dans la bannière. Bien sûr, après, c'est le seul moment où j'invoque dans une bannière premium. C'est pendant l'anniversaire, parce que tu connais, il y a la hype et tout ça. Donc, forcément, je suis grave chaud d'invoquer. Et il n'est pas tombé. Franchement, c'était un truc de ouf qu'il soit pas tombé. Le White aussi n'est pas tombé. Lui, il est vraiment tombé, comme je l'ai dit, dans les tickets Brave Souls. Au bout de 200 tickets Brave Souls, j'entends... Et je savais que c'était lui. Bah, c'est pas beaucoup de personnages qui ont autant de lignes de dialogue. Donc franchement, ce personnage-là, je l'ai reconnu direct. C'était qui? Donc lui, il est pareil, il est SP1. Pendant l'anniversaire, quand ils vont revenir, je serais vraiment content d'avoir des doublons parce que ce sont des personnages qui sont vraiment très très forts. Le White, personnage aucun, tueur de Shinigami, tueur de aucun. Ici, sous le trait, temps de recharge d'attaque puissante, moins 12%, rapidité plus 3, durée des altérations d'état, moins 100%, garde résistance rouge annulée. Ce personnage-là, c'est une fusée. C'est une fusée, le truc, tu fais des dashs, ça fait... Vraiment, ça va très 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 vite. Vous avez vu l'imitation pour que je montre que ça va vite? C'est n'importe quoi. Compétence disponible, attaque puissante étendue, plus 20%, attaque puissante déchaînée, plus 2. Attaque spéciale, déchaînée, plus 1, malédiction, plus 2, fléau délacéré, ascendant spirituel, brise armure, génère de personnage instinct, attaque spéciale renforcée, personnage connaissance, plus 30%, personnage connaissance vitesse de déplacement, plus 30%. Vraiment, ce personnage là, c'est une fusée et il fait extrêmement mal. Il est vraiment très très fort, je l'ai testé, c'est un monstre. C'est un monstre vraiment, si vous avez des doublons dessus, c'est vraiment exceptionnel. Mais voilà les gars, pour moi, pour ma part, pour l'instant, ils sont SP1, j'espère que pendant l'anniversaire, ils reviendront, bien sûr,
dans la box. Après, j'espère ne pas FT un personnage filler. Quelques petits doublons, ça serait intéressant, mais vraiment avoir les nouveaux personnages, ce serait vraiment un truc de fou. Vraiment un truc de fou. De toute façon, j'ai des tickets Breath of the Wild, vous allez les voir directement juste après. Donc, en résumé, les gars, dans cette bannière-là, pour ceux qui vont invoquer, comme je l'ai dit, je vous le déconseille. Mais vraiment, les personnages de l'anniversaire, ils sont vraiment toujours bons. En vrai, même le Aizen des 6 ans, il est toujours bon. Ichigo des 7 ans, Uryu des 7 ans, très très bon aussi. Le Ulquiorra, il est excellent. Et derrière, après, bien sûr, il y a les personnages des 8 ans. Donc les gars, voilà, gardez vos orbes. Franchement, ça sert à rien de les utiliser maintenant. Et du coup, bah, j'ai fait tomber les tickets de loterie bref bonus. Ça fait plaisir. 25, les gars, en une semaine. Ça apporte en plus une petite plus-value parce que bah, forcément, pendant l'anniversaire, j'ai pris le ticket de loterie bref sous à gogo. J'en ai 39. Ici, j'en ai 25. Donc, chaque semaine, je vais avoir 25 tickets de loterie bref bonus. Bien sûr, si je fais la mission quotidienne. 111 tickets de loterie 4-5 étoiles et 647 tickets de loterie Brave Souls. Donc franchement, ça fait plaisir. Hein. En vrai, au cumulé, eh ben, je vais m'en sortir avec plus de 1000. Ça va être trop bien. Franchement, on va se faire plaisir pour les tickets. Après, j'espère obtenir bien sûr plein de nouveaux personnages pour obtenir des orbes et bien sûr compléter l'album parce que ça, c'est le plus important. Donc j'espère que la vidéo, en tout cas, vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était ton pote Omar Perti, la petite bise. Il y a les deux showcases qui vont arriver aussi dans le courant de fin de semaine. Ne vous inquiétez pas, les gars, ça va arriver très très vite. Allez, sur ce, la petite bise.